Personne talentueuse, bénie par le Seigneur, à qui il a accordé beaucoup de grâce, beaucoup de compétences, ingénieur, enseignant, artiste. Mais Dieu nous attend quelque part. Il veut que nous choisissions un couloir pour le servir avec efficacité. Voici un chant bien connu. Entre tes mains j'abandonne. All to thee I surrender all. Bien connu de nos croisades. L'évangéliste Billy Graham en avait fait d'ailleurs son chant de ralliement. Il est écrit par un homme, un Américain qui s'appelle Judson Van Deventer, professeur de littérature anglaise, musicien confirmé, talentueux. Mais ses amis, voyant en lui ce don de la musique pour le Seigneur, lui conseillaient ardemment de délaisser l'enseignement pour se consacrer à la musique évangélique. Et lui, professeur de son état, professeur compétent, talentueux, avait du mal à choisir. Alors un jour, pendant qu'il rend ministère par la musique, il dit lui-même qu'il a reçu, il entend une voix du ciel qui lui parle. La voix lui dit, this is the turning point, the pivotal point, c'est le point tournant, le point de rupture où tu dois choisir. Et donc, après avoir entendu cette voix, il a décidé, comme il le dit, de surrender all to Jesus, de se rendre au Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Comme ce
Cet homme, 20 invités, à choisir. Non pas à tout renier, mais à choisir de servir le Seigneur. Voilà donc comment Van de Venter a décidé d'arrêter l'enseignement et de se consacrer au ministère de la musique par le chant. Il a écrit par la suite des hymnes, 60 chants par là, et celui-ci est resté le plus célèbre. D'ailleurs, Billy Graham découvre sa vocation d'évangéliste, dit-il, après avoir écouté ce chant-ci. Il l'appelle d'ailleurs l'auteur du chant célèbre I Surrender All. Mets-y-moi ma sonna, ma sonna. Je m'appelle Pat Mabé, auteur, formateur, conseiller en marketing, et notamment marketing relationnel. Par la musique et ses valeurs, j'ai réussi à découvrir mes points d'ancrage, mes points de force pour mener à bien mes activités, toutes les activités que vous connaissez. Et ma passion est de transmettre cette force, cette joie, cette énergie à tous ceux qui m'entourent, afin de les aider à mener à bien leurs activités et de réussir dans la vie, de réussir leur vie. Nous avons donc, dans ce cadre, mis sur pied le projet Gloria, qui consiste à reprendre ces cantiques que nous connaissons tous, les dépoussiérer, les rajeunir, les rafraîchir, mais surtout en allant au fond des choses, en allant dans l'histoire, pour savoir comment ils ont été écrits, et nous découvrons donc qu'ils sont davantage riches ainsi. Donc Gloria, c'est un projet qui consiste donc à reprendre ces cantiques, les mettre dans des supports CD et numériques. Nous sommes aujourd'hui au cinquième volume de Gloria, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 et volume 5. Tous d'ailleurs en français, volume version française, version anglaise, version bassa, version boulou, version douala, version bafia et version instrumentale pour la méditation, pour la prière, pour accompagner nos services culturels. Et vous êtes invité donc à vous approcher de nous pour acquérir votre pack, votre kit de CD. Et d'ailleurs, nous vous invitons à une soirée de partage, de découverte de ces cantiques autour d'une, comme autour du feu, où nous allons ensemble nous asseoir, les chanter, les revisiter, les expliquer, les commenter. Ce sera à une date très prochaine. Très prochainement, nous serons à nous retrouver pour ensemble les redécouvrir, pour les chanter. Et pour, comme Van de Ven te dire, I surrender all to you, my Jesus, my Savior. Je te donne tout mon être, tout mon corps, toute mon âme, mon esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je